Côte d'Ivoire, Yasmina Wenya accepte humblement la troisième place aux élections municipales de Cocody. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage! Côte d'Ivoire, dans une déclaration sur sa page Facebook, ce dimanche 3 septembre 2023, Yasmina Wenya, présidente de Ensemble pour Cocody, a réagi à sa troisième place lors des élections municipales de Cocody, qui se sont déroulées le samedi 2 septembre 2023. Cette déclaration témoigne de sa maturité politique et de son engagement envers la démocratie, malgré les résultats décevants. La Commission électorale indépendante, CEI, a annoncé les résultats des élections municipales de Cocody qui étaient très attendues. Yasmina Wenya, qui avait mené une campagne énergique en tant que candidate indépendante, a exprimé sa déception face à ses partisans, qui avaient placé de grands espoirs dans son projet politique. En ce qui concerne la commune de Cocody pour laquelle j'ai fait acte de candidature à la tête de la liste indépendante Ensemble pour Cocody, les chiffres proclamés par l'organe chargé des élections nous placent au troisième rang. Je prends humblement acte de ce résultat, en mesurant la grande déception de toutes celles et de tous ceux qui ont cru en l'offre politique de la liste PC, a-t-elle écrit. Une défaite décevante de Yasmina Wenya aux élections municipales de Cocody. Malgré cette défaite, Yasmina Wenya a tenu à saluer l'ensemble des acteurs politiques qui ont pris part à la campagne électorale. Elle a également félicité les gagnants des élections, soulignant l'importance de la démocratie et du droit de vote exercé en toute liberté par les citoyens. Cette reconnaissance témoigne de sa volonté de maintenir un climat politique sain et démocratique dans la région. La présidente de Ensemble pour Cocody a profité de cette occasion pour exprimer sa gratitude envers les nombreux bénévoles, militants et sympathisants qui ont consacré leur temps et leur énergie à sa campagne. Elle a souligné leur rôle essentiel tout au long de cette aventure politique. Yasmina Wenya a réaffirmé son engagement pour le bien-être des habitants de Cocody. Elle a promis de travailler avec une détermination renouvelée pour améliorer les conditions de vie dans la commune. Elle a également souligné son intention de rester vigilante et de continuer à défendre des valeurs fondamentales telles que la transparence, l'équité et la justice sociale. En définitive, Yasmina Wenya a appelé tous ceux qui ont soutenu son projet à rester engagés dans la vie démocratique du pays. Elle a déclaré que la lutte pour un avenir meilleur pour les habitants de Cocody ne faisait que commencer, signifiant ainsi sa détermination à contribuer activement au développement de la communauté.